Donc, bonjour tout le monde et bienvenue dans un tutoriel de KFM Design concernant les tutoriels de Photoshop. Donc, vous voyez ici, on a une image, on va créer un calque, on va maquiller ou bien make-up cette image. On va faire un peu de maquillage sur cette photo de cette fille ou bien de cette dame, je sais pas. Alors, comme vous voyez, je fais un calque. On fait comme ça. On va directement sur le pinceau, on va maquiller en haut des yeux comme ceci. Ça, on va choisir un peu gris foncé comme ceci. Oui, c'est bien. On va faire comme ça. Comme ceci. On va diminuer l'épaisseur. Comme ceci. La même chose pour cette oeil. Diminuer l'épaisseur. Ceci. Et on va directement dans le mode, on va diminuer l'opacité un peu plus. Density Color Plus. Et on va faire le clic comme ceci. Et on a fait le maquillage dit des yeux. Maintenant, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste autre chose. On va essayer avec les dents. On va éclaircir les dents. D'ailleurs, lui donner la couleur bleue. Ça paraît bien. Pendant le kit, il va pas être magique. On va essayer. Et ça encore. On va cliquer ici sur Stream pour. Et on contrôle T, on va directement dans le pinceau, la même chose, choisir le blanc. Va diminuer l'épaisseur encore une fois, comme vous le voyez. Fixer les bancs encore une fois et ou bien pardon pardon parce que c'est pas l'endroit exact. Pourquoi? Parce que il faut faire ceci sur un autre calque, sinon ça va une perso. Je clique sur le pinceau, donc je fais éclaircir les points avec la couleur blanche. Comme ceci. Et on va donner la mode. Contrôle E, on va dans renforcement d'unité. Et c'est bien.
pense que c'est bien, oui. Quand même, il y a un peu de différence entre le... Oui, beaucoup de différence, c'est pas toute différence, beaucoup de différence. Donc, on va maintenant dans... comment dire, on va dans les cheveux. Dans les cheveux, on va créer un autre calque. On va dans le type pinceau. Oui, on va augmenter l'épaisseur du pinceau. Et on va prendre une couleur, par exemple, on va quelles sont les couleurs des cheveux? Je pense qu'on va prendre celui-ci. On va prendre celui-ci. Non, celui-ci. C'est bon. Donc, on va colorer les cheveux de cette personne. On va cliquer sur le petit pinceau, comme ceci, et etc. On va colorer tout ça, et attention à ne pas perdre une chose, comme ceci. Diminuer le pinceau un peu. Diminuer le pinceau. On clique sur mode. Et ça, je pense que ça c'est bien mis en avant. Si ça c'est bien, oui, ça convient. La couleur des cheveux est la même que la couleur des comment dire, la même que la couleur des yeux. Oui, c'est bon. Des yeux. Donc, je pense qu'on a fait notre boulot, notre travail, notre ceci. Sur les choses, c'est maintenant les cheveux qui sont pas encore. Je prends ceci, mais CTRL Z, il va diminuer l'épaisseur, comme ceci, etc. Et c'est bien. Donc, on a fait la colorisation des cheveux. J'espère que ce tutoriel avant pour savoir quels sont les résultats qu'on a fait. On va cliquer ici, CTRL E, on va dans on prend celui-ci, voilà. On prend celui-ci, c'est bon. Donc voici l'image originale et voici l'image après le retouche sur Photoshop. Donc, j'espère que ça vous convient. Avant, on va enregistrer notre image sur mon PC, mon ordi, sous forme JPEG ou WAML.JPEG. Je fais enregistrer. Avant ça, je prends OK. Et on va jeter un coup d'œil. On va faire comme ceci. Je pense que c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Si vous avez des propositions concernant les tutoriels ou bien les prochains tutoriels, n'hésitez pas. Merci pour votre attention et au prochain tutoriel, Inch'Allah.